Les effets sont un peu en fonction de l'âge aussi et de la demande par rapport au produit. Si c'est un adolescent qui consomme, ce qu'il va rechercher, c'est d'être désinhibé pour passer à l'acte ou pour aller vers les autres. C'est souvent la première bonne raison qu'il va donner. Ou pour faire comme les autres, parce que il n'a pas envie d'être marginalisé dans le groupe où on consomme. Ou si c'est son copain qui incite, t'es pas câble, tu es un dégonflé, tu n'oses pas, donc tu fais pas partie de ma bande, quoi, quelque part. Donc là, c'est souvent les premières motivations, ou en tout cas, les premiers essais. Et puis, il y a la rencontre avec le produit sur un terrain favorable. D'où l'importance de l'âge, et le plus vulnérable dans tout ça, c'est l'adolescent qui manque d'assurance, qui manque de confiance en soi, et ou qui est dans une forme de mal-être. Donc, on a deux types, je dirais, d'adolescents. Celui qui a vécu une enfance difficile ou des traumatismes et qui a du mal à vivre son quotidien avec ça, qui demande au produit, à ce moment-là, puisqu'il a découvert l'effet magique du produit, une forme de soulagement. Donc là, c'est plus se désinhiber, c'est se soulager grâce à une molécule qui va lui apporter un service. Dans les complications, ce que l'on voit le plus souvent, c'est qu'on n'ose pas parler de ses problèmes, on ne va pas parler de ses difficultés relationnel avec les autres, sa timidité par exemple, c'est pas forcément convenable de parler de cela, ou de parler des traumatismes qu'il a subis, c'est peut-être même impossible pour lui, donc la complication c'est la continuité. Donc le moyen terme c'est les parents qui s'aperçoivent, ou les proches qui s'aperçoivent que il y a un changement de comportement. Et le moyen terme permet de rattraper la situation. C'est là où j'ai des demandes souvent de parents qui s'inquiètent en se disant il y a des changements de comportement, des troubles du comportement qui nous inquiètent, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc là, quand il y a souvent, on a découvert du papier à rouler, on a découvert un petit morceau, tenez, voilà, qu'est-ce que c'est, ou de l'herbe. Là, bien entendu, on identifie, et souvent c'est le questionnement et le déni chez l'intéressé, voire vous êtes de mauvais parents. On va culpabiliser plutôt les parents en disant vous venez fouiller dans mes affaires. Enfin bref, c'est plutôt de la rébellion. Donc la technique là encore que je préconise, c'est plutôt le dialogue. Qu'est-ce que tu demandes au produit? On va parler du sujet. On ne condamne pas, on essaie de nager dans le sens du courant avec son ado pour savoir jusqu'où il est allé avec cet usage, et essayer de trouver ce qu'on peut mettre à la place du produit en forme d'aide, d'écoute, de soutien. Et c'est souvent plus facile de parler à quelqu'un d'autre quand on est adolescent. Donc trouver la personne qui a la meilleure relation avec cet adolescent. Ça peut être la grande sœur, ça peut être l'oncle, le grand-père, ça peut être, enfin, ou tout simplement un praticien qui est plutôt chargé de l'écoute, un psychologue par exemple, clinicien, qui aura plus une approche sur les troubles du comportement. Donc, ce que j'encourage souvent aux parents, c'est de ne pas être dans une forme de déni à leur tour, parce que c'est, si on ne sait pas quoi faire, donc on est mal à l'aise avec ça. Et quelque part aussi, on va s'installer dans une forme de souffrance parce qu'on se sent impuissant. Et les parents que je vois, puisqu'on a créé un groupe Écoute Parents dans l'association, qui se réunit
toutes les trois semaines pour échanger sur leurs difficultés en termes d'accompagnement du malade dépendant ou de ce qu'ils subissent, parce que bien souvent ils culpabilisent, ils se sentent impuissants et ils souffrent. Et c'est eux qui vont aller consommer des produits tranquillisants pour éviter la déprime ou la dépression. Tellement ils sont mal avec cette situation d'impuissance et l'état d'esprit, bien entendu, qui s'instaure dans une famille va conditionner une aggravation côté des proches, mais côté aussi du consommateur qui va être de plus en plus dans la dissimulation, dans le déni et dans des usages plutôt de fuite. Voilà. Donc le long terme, c'est bien souvent de dire stop, on ne peut pas accepter que tu continues à consommer chez nous, on n'est pas d'accord avec ça. Il faut que tu demandes de l'aide dans les soins. Voilà, on ne peut pas faire à ta place. Par contre, on peut faciliter ton passage vers les soins. Souvent, ce qu'on demande aux parents, pour l'aider, même s'il n'est pas forcément tout à fait d'accord, s'il est mineur, vous avez quand même le droit de dire « tu as rendez-vous, on t'emmène, on va t'aider à pousser la porte, à rencontrer le spécialiste, mais on ne va pas faire à ta place, parce qu'on ne peut pas faire à ta place. » Donc il faut que le parent prenne conscience qu'il n'est pas dans la toute-puissance et qu'il ne peut rien faire si on n'a pas le consentement de l'intéresser. Donc l'amener à demander de l'aide, ça passe souvent par quelqu'un d'autre. Donc se décharger d'une responsabilité, ce n'est pas forcément perdre la face. Donc accepter son impuissance face à un problème qui est quand même très compliqué à gérer pour un parent, surtout s'il n'a pas été lui-même consommateur. Souvent c'est la rencontre. Donc nous par exemple, on a plusieurs systèmes d'écoute. Il y a les professionnels qui sont chargés d'accompagner un mineur qui a été interpellé pour usage de cannabis et qui a une réparation pénale à faire. C'est-à-dire que c'est une mesure d'accompagnement par un éducateur dans un service spécialisé. Il doit faire cette réparation pénale pendant une semaine. Et dans ce stage, de rencontre quelque part avec l'institutionnel chargé d'éducatif, il y a le passage pendant une journée ou deux dans l'association où il va vivre le quotidien avec nos résidents. Donc cet échange sur une journée ou deux, sur une convention, avec un cadre, avec une rencontre avec un des thérapeutes, avec un accompagnement pendant toute la journée d'un père aidant, entre guillemets, ou de quelqu'un qui est passé par là, permet à ce jeune de parler de sa consommation, d'envisager peut-être de changer de comportement, puisque eux ont été contraints, enfin mes pensionnaires qui deviennent des pères aidants ou qui ont cette mission de père aidant auprès d'un jeune en réparation pénale, l'objectif c'est de l'amener à parler de sa consommation et de déclencher chez lui une demande d'aide. Donc plus ça. Pour les parents, même chose, quand on leur dit aidez-le à pousser la porte, passer une journée avec nous, c'est un temps d'échange sur sa consommation par un professionnel et puis une rencontre avec des pensionnaires. Il faut éviter les contradictions publiques et notamment utiliser les grands médias pour apporter les bonnes informations sur les dangers du cannabis. Et donner plus de place à des spécialistes. Je parlais de Jean-Pierre Goulet tout à l'heure, qui est un de nos grands spécialistes français, qui fait des exposés très intéressants sur les effets du cannabis au niveau cognitif et court terme ou long terme. Et là, il faut vraiment que publiquement, on puisse donner la parole à ces scientifiques, je dis bien à des scientifiques, pas à des personnes qui ont des intérêts dans cette histoire de publication
souvent interprétées ou transformées pour servir des intérêts. Alors, les pays nordiques me semblent, même si on n'est pas de la même culture, nous sommes des Latins, très attachés aux libertés, mais dès qu'on donne une liberté dans un pays latin, on ne peut pas la reprendre, ce n'est pas possible. Dans un pays nordique, on peut revenir en arrière, parce que le système éducatif est différent, et l'accompagnement parental est aussi beaucoup plus contraignant. Si on vit dans une famille hollandaise ou suédoise, le système éducatif parental est beaucoup moins laxiste, qu'on le veuille ou non. La prévention dans le milieu public, dans le milieu scolaire notamment, est beaucoup plus intense pour notamment aider l'enfant et l'adolescent à se construire très tôt. Et notamment quand on parle des compétences psychosociales, il y a bien longtemps que là-bas, on met ça en avant pour faire de la prévention précoce. Donc pour moi, il y a des exemples, il y a des modèles qui ont été mis en place aussi au Québec avec des systèmes, disons, de prévention à base de jeux, par exemple résister à l'offre ou gérer les frustrations en utilisant le jeu. Il y a des techniques aujourd'hui qui permettent à l'enfant de mieux comprendre ce qui se passe en lui et lui permettre de gérer des émotions très tôt peuvent devenir chez lui un problème et le produit aura plus d'impact sur ce jeune parce qu'il n'a pas trouvé la solution ailleurs qu'à travers un soulagement.